Et bonjour tout le monde, ici Endo sur Iva Sound Studio. Et il faut que je vous parle de ma passion pour les RPG. J'adore les RPG depuis toujours. Je crois que le premier RPG auquel j'ai joué sur Steam, c'était en 2015. Et justement, c'était sur Labyronia. Donc aujourd'hui, on joue à Labyronia. Voilà. Et pour être précis, aujourd'hui, on va jouer à... Je ne me trompe pas, le nom, c'est The World of Labyrinths. Labyronia. Alors, en quoi c'est différent? Et bah c'est différent parce que la version sur laquelle j'ai joué, elle date de 2015 et la version sur laquelle on va jouer, elle date de 2018. C'est le même jeu avec une histoire qui est ressemblante de ce que j'ai compris, mais un peu différente. En fait, la version de 2018, c'est la version améliorée de celle de 2015. Donc ça veut dire que moi je connais que celle de 2015 et que je vais complètement découvrir celle de 2018. Et du coup, bah, c'est parti pour ce petit RPG. Allez, c'est parti. Que je me trompe pas, c'est celui-là. Hop là. Raté. Qu'est-ce qu'il me fait? Ça marchait bien tout à l'heure. Pourquoi ça marche plus? De base ça marchait et là ça marche plus. Super. Qu'est-ce qui m'a fait? Dès que... Ah bah voilà. Mieux ainsi, voilà. Mon jeu. Donc Labyronia, The World of Labyrinths, Labyronia. Donc je ne connais pas la nouvelle histoire, je sais juste que c'est ressemblante à celle de 2015, j'en sais pas plus. On va tout de suite commencer le jeu. Petite question, j'espère juste que le son est bon, qu'on m'entend bien et que le son du jeu n'est pas trop fort surtout. Déjà pour ça, pour le coup, je ne sais pas trop. Hop là. Allez, let's go. Ah, évidemment, le jeu est en anglais. Il y a longtemps, les quatre dieux élémentaires de Labyronia forgèrent un magique en forme de, un pendentif magique en forme de spirale. Ce bijou d'ambre était connu comme appelé le pendentif de Labyronia. Oh, ça va trop vite. Donc les dieux ont gagné une puissance omnipotente et ont créé des labyrinthes couvrant l'entièreté du monde. C'était un temps de guerre. Mais des événements cataclysmiques forcèrent les nations désorientées à mettre les armes à terre. Cependant, le conseil... Eh ben voilà, ça va trop vite. Ben voilà, hein. Donc en gros, il y a eu une guerre entre mages et dieux. Et les dieux ont gagné. Et voilà, donc après cela, d'étranges et de puissants monstres apparurent, répandant la destruction autour d'eux. Donc les grands royaumes s'effondrèrent et les nations furent séparées. C'est parti. Ça sera beaucoup plus simple à la traduction sur la suite. Donc maison de Arès. Le monde est devenu restless, c'est sans paix. The power of the monstrous elemental beings has clearly grown, donc le pouvoir des monstres élémentaires est devenu grandissant. En plus des grands labyrinthes, je sais que ces créatures sont reliées aux quatre dieux élémentaires d'une quelque manière. Ces monstres sont en train de ravager
les villages paisibles de l'Avironia. Il est temps d'y mettre fin. Je dois avoir une épée là-dedans. Alors, utiliser les touches directionnelles pour bouger. Sword of Ibis. Donc, l'épée d'Ibis. Et au livre, oui. Alors, journal de Arès. La création des labyrinthes est un mystère. Comment, pourquoi sont-ils apparus? Était-ce un jugement divin to smite the wicked pour juger les vilains, les mauvais? Et à propos de ces monstres... Désolé. Hop. Il semble être à l'origine... Attends, c'est ça que tu veux. Il semble être originaire des labyrinthes et leur monde a grandi de manière impressionnante depuis. Donc les habitants communs, les simples habitants, vivent dans la peur et commercent entre grandes villes. Et le commerce entre les grandes villes a presque disparu, est presque mort. Selon les rumeurs, la capitale, le Krongard, est tombée aux mains des monstres. Du coup, je pense que le temps est venu. Je dois faire quelque chose à propos de cela. Ah oui, donc là c'est les cues. Avant de partir, j'ai décidé de te laisser ce livre pour faciliter ta tâche. Prends l'information. Fourni par ton cœur, parce qu'un jour tu en auras besoin, Ibis. Tu es un mage naturellement talentueux, Arès. Pour cette raison, il n'est pas nécessaire de t'entraîner à l'art de la magie traditionnelle. Pour apprendre de nouveaux sorts et habilités, tu dois simplement retrouver certains cues dans ton environnement. Donc ces cues can be anything out of Erdogan. Donc ces sorts en fait peuvent être partout autour de toi, dans des emplacements complètement ordinaires ou parfois the plain details around you. Donc dans des ou dans en gros c'est les sorts se retrouvent dans l'environnement. Je peux juste interagir avec l'environnement et je vais apprendre de nouveaux sorts. Par exemple un arbre bleu, donc il va se retrouver au milieu de plusieurs arbres de couleur verte, donc de couleur normale. Bah là, on se doute bien que l'arbre bleu, il a un truc bizarre, donc je vais interagir avec et je vais avoir un nouveau sort. Donc examine-le et tu pourras sûrement apprendre un nouveau sort ou une nouvelle habilité. Donc se rappeler que rechercher les sorts est très essentiel. Donc tu ne dois pas oublier les mots que je viens de te dire aujourd'hui. Malheureusement, je ne suis pas autorisé à te révéler autre chose de plus à propos de ta mission. Tu dois rechercher les réponses par toi-même. Très bien. Sandor. Les quatre dieux. From the forming conception of being the reflection of one, four distinctive gods were born, one following another. Donc, depuis la formation du... from the reflection of one... Donc, en gros, il y a quatre dieux qui sont nés. D'abord, Zemokon, le pouvoir de la terre et de la nature lui a été donné. Dignon, ou Dignon, je sais pas comment... On l'appelait Dignon. And the powers of Over fire and brimstone were given to him, donc le pouvoir de la destruction, de la déflagration et du feu. Crodin, et le pouvoir de l'eau et de la glace lui était donné. Et enfin, Windir, comme son nom l'indique, Wind, donc le pouvoir du vent et de l'orage lui a été confié. Gazing into the original reflection, donc regardant dans la réflexion originale, les dieux percevèrent l'omnipotence se formant dans la forme de spirale et le pendentif de l'Abironia leur a été donné.
Et là, je pense qu'on a fait le tour de cette maison. Earth, water, fire, air, collect the four elemental crystals to slay the kings of monsters. Then come to us in Mysteria Tower and you will be given the answers you're looking for. Donc terre, eau, feu et air, collecte les trois cristaux élémentaires et terrasse le roi des monstres. Ensuite, viens à nous à la tour de Mysteria. Il te sera donné toutes les réponses dont tu as besoin. Te guideront dans les temps difficiles. Le village de Meldor. Hey, salut, est-ce que j'ai entendu dire que tu... J'ai entendu dire que tu allais commencer à voyager. Si tu as des questions à me poser, n'hésite pas. Alors, je connais déjà tout. Donc, pour la sauvegarde, donc c'est ce qu'il y a juste derrière lui. Donc, c'est une sorte de petit brasero. La carte, je connais. La magie, je connais. Donc, viens à moi si tu es confus. On va commencer par sauvegarder. Oui, là, tu sais. Yes. Très bien. Bonjour Caroline, salut Arès, je t'ai pas vu depuis un petit moment. Would you be interested in some pearl bush flowers for my chicken? Est-ce que tu serais intéressé par récupérer des fleurs bush de buissonnant, donc de perles buissonnant, for my chicken, for mes poulets? It's their favorite food, c'est leur nourriture préférée. Et ben on va nourrir des poulets. Et ben je te donnerai quelque chose de sympa contre 5 fleurs. Et ben c'est parti, trouvons 5 fleurs. C'est pas où est-ce qu'on va les trouver. Ah oui, ça a changé, hein. C'était pas exactement comme ça. Alors, faut parler aux gens un peu. Donc, Firdel est une forêt. Le labyrinthe d'une forêt sombre et effrayante. Tu devrais probablement aller au nord-ouest d'abord. Essaye de rejoindre Genis pour avoir un meilleur équipement. Bonjour monsieur. Gramps, this well reminds me of those stories about the fountain of fortune. Donc ce puits me rappelle les histoires à propos de la fontaine de fortune. Est-ce que tu en as entendu parler? On dit qu'on peut entendre les dieux à travers elle. Ho ho ho. Je crois que ton ami Darek a une map pour toi. Tu devrais lui demander à... On va reparler à Darek alors. Je pense que Darek c'est lui, si j'ai bonne mémoire. Oui. Oh, des cartes. Yes. Donc ça c'est bon, on a récupéré une case, c'est toujours pratique. C'est fermé. Là c'est pour, je suppose, acheter des trucs. Ah, je pensais vraiment trouver les... les fleurs dans le village, et en fait plus du tout. Et bien on va aller à l'auberge. Alors, ah bah tiens, voilà, un sort, clairement, mais il ne peut pas l'utiliser, donc ça veut dire que, alors, je spoil un peu, mais je vais pas être tout seul, je vais pas être, va pas y avoir que Arès. Donc ça veut dire que là, j'ai trouvé un sort, mais c'est pas pour lui. Donc, ça c'est une auberge. On va voir ce qu'il y a au sous-sol. D'accord, sors de ma cuisine avant que je ne te retire le foie.
Ah, donc c'est apparemment c'est un autre sort pour quelqu'un d'autre. Non, mais pas pour Arès. Allons ici. C'est mon troisième repas aujourd'hui. D'habitude, je mange à peine deux repas par jour, mais aujourd'hui, c'était une exception. Mon père est le meilleur cuisinier du monde. Dommage qu'il ne cuisine jamais. C'est toujours maman qui cuisine. C'est un peu particulier quand même. Eh bien, qu'ai-je fait de cette saucisse? Il n'y a pas de nourriture décente sans... Stodgy, je l'ai pas. Salty sausage, donc saucisse salée. Ah bah, tu as une saucisse. Bonjour. Faut pas que je la donne, bah je la garde alors. Très bien. Je me méfie des cheminées aussi en général. Il y a toujours un truc avec les cheminées. Bon. Fermé aussi. Et bah je pense qu'on va sortir. Et puis si on a un niveau or, j'ai quoi? J'ai que 100 or, donc on va continuer. Voilà un monstre. Donc premier combat d'Arès. Donc des malins de Crodin. Grosse avancée du jeu, en 2015, on ne voyait pas la vie des monstres. On voyait juste les dégâts qu'on leur faisait, donc par exemple là je lui ai fait 62 de dégâts, mais on voyait pas leur vie, on voyait pas du tout leur point de vie ni leur barre de vie, donc c'était assez compliqué. Tu tapais les monstres et les boss un peu à l'aveuglette en disant pourvu qu'ils soient bientôt morts. Hop là, et de deux. Victoire, j'ai repris 32 d'expérience et 10 or. Hop. Je crois qu'il y en a un deuxième. Vieil homme, ouh la vache, ils ont pris cher les dessins. Ah, c'était bien plus joli en 2015. Hein. Ah oui, c'est pas beau. Alors, vieil homme, au nord d'ici, depuis la fin du grand chemin en spirale, tu trouveras la cité des nobles. C'est un endroit sympa, mais il pleut tout le temps là-bas. Et les gens devrait apprendre les bonnes manières. Tu dois être Arès, n'est-ce pas? You have a long way before you, my boy. On entend beaucoup parler de toi, mon enfant. Mon garçon. Je ne peux pas t'offrir mon aide pour le moment. Mais on se retrouvera plus tard ici. Comment me connaissez-vous? Eh bien, c'est un peu compliqué. Tu vois, j'ai comme, qui dirait, des amis à Meldor, le village qu'on avait visité juste avant. Tout le monde te connaît à Meldor, n'est-ce pas? Affirmatif, du coup. Dans tous les cas, comme Bac, donc reviens ici quand on aura fini avec Genis, donc c'est la ville des nobles, où il pleut tout le temps. Tu comprendras de quoi je parle plus tard. Je te donne un cadeau pour t'aider à réussir ta tâche. Donc je reviendrai, qu'importe ce que cela veuille dire. Donc. Alors nous, on va parler ici que je... Si j'ai bonne mémoire, il y a un méchant boss dedans qui fait beaucoup de dégâts. Et je pense que c'est un peu trop tôt encore. Ah.
l'énergie est beaucoup plus puissante. Donc, pas à dire. Je pense que ça va finir. Ah, j'ai pas fini. Hop là. Ah, j'ai atteint le niveau 2. Parfait. Alors, ce qui est avantageux, c'est que on peut se soigner avec mes sorts à tout moment, même en dehors des combats. Ça, c'est pratique. Alors, ferme de Drakna. On va sauvegarder. Toujours le bon réflexe de garder, parce que quand on meurt, on retourne au lieu de la sauvegarde d'avant. Donc, Green Hat, donc un chapeau vert. Et ben, on va l'équiper tout de suite. Voilà, ça augmente la défense de 4, c'est toujours ça de prix. Bonjour monsieur. Alors, salutations voyageurs, qu'est-ce qui t'amène dans le monde, dans le large monde de la ferme de Drakna? Est-ce que tu voudrais acheter quelques Drakna? Feuille de Drakna. Alors, ça augmente la résistance magique, je pense. MDF, Magical Defense, je pense. Donc, non merci. Alors, d'ailleurs, si tu te rends au nord et tu dois faire attention là où tu marches, les orques sont en train de se déplacer, frustrés par le fait qu'ils ne peuvent pas atteindre Jenny's. Reste dans les terres intérieures, inland. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le bâtiment? Un chien? Il fait juste ouf. Alors, Jenny's. Donc, les nobles du vieux monde vivent à Jenny's en séjour. Il était une fois... Once upon a time, this delicate lot used to despise lower stratum to so passionately. Donc en gros, ces personnes, ces gens, méprisaient les strates inférieures tellement avec ferveur, avec passion. Oh, c'est comme c'est gentil. Ils ont tellement méprisé les gens qu'ils les ont rendus esclaves. Slavery, super. Après avoir dû échapper à Impera, qui était la capitale de l'Abironia, les nobles formèrent Jenny's et ont été plutôt isolés depuis. Que c'est charmant. Oh, un coffre. 50 d'or, toujours pratique. Bon, par contre, le chien, t'es gentil, mais bon. Allez. On passe à la suite. Au nord, les montagnes de glace. À l'ouest, la route de Jenny's. Alors, un Rome. La magie est plus efficace contre eux, donc on va utiliser la magie. Hop là. On a une tente jaune, qu'est-ce qui s'y trouve? Alors, un marin. J'adore tout simplement la mer.
Les légendes racontent que c'est Crodin, le dieu de l'eau, qui a formé ces eaux au départ. Quel genre de choses pourrait faire quelque chose comme cela? Est-ce que tu vas à Génie? Absolument. Si oui, you're gonna have to go through the Godded Cave. Donc, ah mince, donc il va falloir passer par par une grotte qui va être gardée. Better watch out for those Genie's guards. Donc fais attention à ces gardes de Genie's. Ils sont pas hyper fans des étrangers. Merci pour le conseil. On a pris du saumon. Je pense pas que je... Non, c'est pas la bonne route, parce que... De mémoire, par là, il y a les orques, et ils sont genre vénères. Donc on va plutôt aller au nord. Plutôt que d'aller à Genie's tout de suite. C'était le conseil du vieux monsieur près du puits d'ailleurs. Il avait dit, ne va pas à Genie's tout de suite, va plutôt au nord. Et bien, vous avez répondu, c'est ça, je conseille. Oh, et de là. Ça y est, la caméra a fait la belle. J'ai même pas fait gaffe à ma vie. Alors, on va remédier à ça tout de suite. Hop là, problème résolu. Et bien, allons au nord. Alors, c'est pas la peine d'aller dans le temple bleu qui est ici. Ça sera pour plus tard. Hop là, donc le pont du nord. Ah, et j'aime me battre contre les monstres. Généralement, j'évite de les éviter. Parce que justement, battre des monstres donne de l'expérience et il faut pas prendre de retard. Hop là. On voit des frelons. En note, c'est frelon, poison, glaçant. Mollo sur la vie quand même. Voilà, c'est le 1. Niveau 3. On va se re-soigner encore. Hop là. L'entrée du bar. L'épaule froide. Oh bah dis donc, quelle ambiance. Ah. Ça bug. Alors non. Ah ouf, c'est bon. C'est bon. Nickel. Alors, nous devons rencontrer notre ancienne slave holders, j'ai pas le mot en français. Bon, en gros, ceux qui retiennent les esclaves à Genie's. What a wretched order. Alors, ils sont venus de Caralan. Notre mission était de délivrer un message au peuple de l'Ouest.
En gros, la situation est mauvaise dans les terres de feu. Et they are not able to help you. Ils ne sont pas capables de vous aider. Ils sont dans l'incapacité de t'aider, pour être précis. Ok, bon, Oli, ça va? Ça y est, c'est le quart d'heure de folie pour madame. Alors, ils disent que c'est Abramelin qui a utilisé le cristal d'air pour foutre le bazar. To mess up with the weather. Ok, donc pour dérégler le climat. Ici. Les nuits chaudes de la ferme familiale me manquent. Le roi des monstres, Abramelin, est le plus grand et le plus sage de tous les dragons. Je parie que je pourrais... toujours le battre avec une main et... et à l'aveugle, avec les yeux bandés. Oui. Sûrement, monsieur. La fête ne s'arrête jamais. Il gèle dehors, danser nous garde au chaud. La route pour les montagnes de glace semble bloquée. Libérer la voie pourrait se retrouver difficile sans outils. Donc si tu voyages jusqu'au nord à travers les montagnes, tu rejoindras Alatar, le roi et les Eternal White Farmlands, donc les terres, les fermes éternellement blanches. L'air de cette région est si froid et les chutes de neige constantes que même les monstres évitent cette zone. Pourrait être facilement snowblindness. Ah, you could easily get snowblindness there and get lost forever. Tu pourrais te perdre dans la neige, enfin tu pourrais en gros être aveuglé par la neige et te perdre pour toujours. Charbon encore une fois. Donc l'histoire raconte que le dieu de l'air a scellé le roi des monstres dans son château. J'ai trouvé un sort, Golden Beer. J'ai appris Drain Aura, donc je pense que je vais aspirer le pouvoir magique. Alors, Gary le Froid. Bienvenue. Qu'est-ce que ça sera pour vous, monsieur? Alors, on a de la bière, on a du whisky. Qui donne de la vie, de points de vie. Mais... enfin, éviter je pense parce que je suis quasiment sûr que je vais me retrouver aveugle. Désolé, mon chat est devenu complètement fou. Viens là toi. Aïe aïe aïe. Allez, on passe à la suite. Est-ce qu'on n'avait rien d'autre ici? Qu'est-ce qu'on a par là? Il me semble que c'est pas le moment d'aller par là. Sinon je vais être bloqué.
Allez, voilà, je suis bloqué tout de suite. Il y a un caillou. Eh bien, que cela ne tienne. Je pense qu'il va falloir aller par là. Nous avons un monstre. Encore des malins de Crodin. Alors c'était celui-là. Ouais, donc ça aspire des points de magie. Donc là j'en ai encore 101, donc c'est pas la peine d'aspirer. Donc il faut faire des dégâts. Et de 1. Hop. Finito. C'est bloqué. Non, c'est par là. Hop là. Donc on pourra récupérer le coffre que quand je pourrai casser les rochers. Et ben non, c'est quand même. Ah, c'est quand même bloqué que je devrais passer par là normalement. Mince, je sais plus où aller. C'est fort embêtant. Je sais pas si je vous la voyais. Oh là là, mais... Qu'est-ce que tu fais? Aïe aïe aïe. Alors, la magie fait 47, est-ce que les dégâts... Ah bah oui, bon, on va faire l'attaque critique plutôt, hein. Oui, c'est beaucoup plus. Je peux pas aller par là encore. Bon, on va essayer de rejoindre la caverne. Il me semble que peut-être que c'est ça en fait. Ah, j'ai peur. J'ai très très peur. Ouais, franchement, ça va être chaud. Vu ce que je leur inflige comme dégâts. Et vu ce que eux m'infligent. Impossible. Ah. J'ai essayé de m'échapper mais j'ai échoué. Bon bah voilà, ça fait combien de temps que je joue? Ça fait une demi-heure à peu près, un peu plus. Première mort. Super. Donc je me retrouve en arrière, ici. Allez. Donc après avoir été ici, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé...
Ah, c'est dingue, je me rappelle pas du tout de ce qu'il faut faire. Je peux pas aller là-haut. Est-ce que je peux aller par là? C'est genre par là. Alors, les démons des glaces, c'est un géant de l'ombre. Je le sens pas trop. Ouais, donc je pense que je vais me faire dégommer encore une fois. Oui, clairement. Allez, au revoir. C'est pas de bon chemin, du coup. Manifestement pas. Donc on retourne en arrière. Ça me fait penser, est-ce que... Bah non, du coup, je sais pas... Ah, j'ai pas sauvegardé en... Après avoir... Un peu trop de bêtises, ça commence à faire bouger les plantes. Voilà. Je pense qu'on va faire un gros chemin en arrière. En plus que j'ai pas du tout retrouvé les fleurs dont elle me parlait pour ses poules l'autre. Ah oui, c'était plus sensible à l'attaque physique. Je pense pas que je trouverai quoi que ce soit ici. Par là, c'est la fameuse forêt dont je parlais. Il y a un panneau, donc on va le lire. Voilà, monstre extrêmement dangereux et puissant et étrange. Donc qui rôde dans les bois. Non merci. Ça ira. On va réécouter ce que disait le vieux monsieur. Le vieux monsieur. Donc au nord de cela, je trouvera. D'accord. Donc oui, tu peux te arrêter. On va essayer de... J'ai une idée. On va essayer d'aller au temple bleu dont je vous parlais tout à l'heure où je vous disais « Ah, on peut pas y aller tout de suite !» Bah, je crois que justement, il faut y aller pour se rendre compte qu'on peut pas y aller tout de suite pour après sortir. Hop là. Il y a un coffre de l'or. Oui, on va se regarder. Avant que je fasse d'autres bêtises. Et là, je peux pas y aller parce que il faut pouvoir être capable de marcher sur des nénuphars. Et j'ai pas cette capacité. Donc, je suis
sûrement trompé. Ah, je sais plus du tout ce qu'il faut faire. On va retourner à Meldor. Hein. J'ai dû rater un truc. Donc le vieux monsieur, hop. Et le monstre. Il m'a empoisonné, super. Faire un tour par là, est-ce que j'ai pas raté un truc? Même pas. Vu que j'interagis avec tout, c'est pas possible que je me sois trompé. Bah non, ça doit être son 1 Meldor que je dois aller. Ah, il y a une tente là. On va y faire un tour. Bien voir ce qu'on va y trouver. Tunique en cuir. Tout de suite la mettre. Ah bah attendez, on parlait d'arbre bleu tout à l'heure. J'ai appris la magie du vent. Très bien. Donc on va revoir. Vous savez quoi? On va lui parler à lui, on va tout lui demander. Donc c'était la chose la plus importante que tu devrais te rappeler. Toujours sauvegarder. Parce que je vous ai dit tout à l'heure, si on sauvegarde pas et qu'on meurt, on retombe à la sauvegarde d'avant. Donc tu peux sauvegarder en touchant ces lumières étranges, très bien, ou en voyageant dans les quand je suis sur la grande carte. À propos de la magie, tu es un mage, n'est-ce pas? Eh bien, I can't say that I know too much about magic. Je ne peux pas dire que je connais beaucoup à propos de la magie, mais j'ai entendu dire que les teintures personnes apprenaient des cues. Est-ce que tu as pas un livre de ça? Bah si, justement, on l'a lu à la maison. Donc pourquoi je... Bah oui, mais moi je veux bien, mais... Alors... Moi je veux bien te collecter des fleurs, mais... Faut me dire où elles sont. Tu me dis pas où elles sont, moi je peux pas trouver. Hein. Ah, faut bien que j'aille à Genise, hein, mais attendez, ils sont balèzes. Ah. Je vais pas vous traduire ce qu'il vient de me dire. Punaise. Faut que j'aille faire d'elle.
Bon. On peut pas faire tel à Jenny's. Alors, donc ça, ça retire les effets négatifs. Ça résiste quelqu'un. Ça, ça redonne de la puissance, de la magie. Ça donne de la santé, ça, et ça, ça soigne du poison. Donc rien d'intéressant pour l'instant, et puis même j'ai pas assez d'argent. Très bien, on va aller voir ce qui se passe du côté de l'armure. Voyons voir ce que tu as pour moi. Ok, donc ça, si je prends ça, ça me rajoutera 5 défenses que j'ai déjà. Vous voyez là, ma. Forcément, vous ne pouvez pas voir. Actuellement, il n'y a que Arès et. En possession. En dessous de possession, il y a écrit Arès et ça indique ce que ça m'apporterait. Donc là, si je le prends pour Arès, ça apporterait rien. Si je prends celui-là, ça me donne plus de défense. Si je prends celui-là, ça me retire de la défense, donc c'est pas ouf. Après, c'est un. Oh, c'est un casque. Et là, du coup, ça me rajouterait 3 de défense. Et on, c'est écrit en haut pour quel type de personnage c'est adapté. En l'occurrence, là, pour les mages et pour les prêtresses. C'est pour toutes les classes, ça, c'est pour toutes les classes. C'est pour les archers et les mages. Toutes les classes, toutes les classes. On va essayer de prendre ça déjà. Et on va prendre ça. Toujours ça de prix. Hop. Voilà. On va s'intéresser aux armes maintenant. Je pense pas qu'il y ait grand chose. Peut-être que si. Prendre ça. Ah, j'avais pas mis d'arme. Ah bah oui, forcément. Ça aide pas. Ah, l'erreur de bleu, quoi. Je suis le gros débutant, il n'a pas d'arme. Ah, ça va peut-être être un peu plus facile maintenant contre les trolls. On va réessayer. Donc j'ai un peu plus de défense, un peu plus de... Alors voyons voir. Ah bah oui. Oui, effectivement. Et c'est un peu plus efficace. Y a pas à dire. Allez, on retourne sur la route de Genise. Ça fait déjà 1 heure que je joue. Et j'ai encore rien fait. Hop. Allez, va-t'en. Et va-t'en. Je fais exprès de ne pas prendre la route, parce qu'il me semble que quand on reste sur la route, on ne se fait pas agresser par les monstres. Alors que si on prend les... on sort de la route, on se fait agresser par les monstres. Et j'ai envie de prendre de l'expérience et d'atteindre le niveau 4 par exemple. Ah, on a trouvé du saumon. Soigner un petit peu. Et là, c'est parti. Allez, premier troll. Non, c'est pas un troll, c'est un orc.
Ah ouais, c'est plus facile. Dans la version de 2015, battre les orques, c'était vraiment une grosse source d'expérience pour le début du jeu. On va voir si c'est toujours le cas. D'expérience, je sais pas vu ce que m'apportaient les autres. Ah. Cuir satiné. Velvet, oui, c'est. Non, c'est, Velvet, c'est le velours. Hop là. Vous voyez ici la belle ville de Genise, et il me semble que ça a mal se passer pour moi ici. On va commencer par faire ça. Pas le récupérer. Bonjour, bien, salutations voyageurs. Cette grotte mène à Genise. Est-ce que c'est ta destination? Oui. Je vois. Eh bien, vas-y. Dépêche-toi par maintenant. Je me demande ce qui veut me passer. Oh là là. Si je ne m'y attendais pas du tout. Est-ce qu'il y a inconscient? Oui, nous devrions plutôt le jeter dans le labyrinthe. On n'a pas besoin de plus de... Rubble, je sais pas ce que ça veut dire, mais je suppose que c'est des mécréants. Quelque chose comme ça. Dans notre chère cité. Devons-nous informer Bellette à propos de cela? Non, elle a autre chose... Elle a déjà assez de choses à s'occuper. Bien. Où suis-je? Dieu, ma tête me fait mal. Que m'est-il arrivé? Est-ce que cet arbre m'a assommé? Cet arbre, ce garde, pardon, m'a assommé. Ouvre tes yeux, tu as été emprisonné dans un large labyrinthe en dessous la ville de Genise. Tu dois t'en sortir et acquérir le cristal d'eau. Le roi des monstres, Triden, est sur le... A pour ambition, a pour plan d'attaquer la place, la ville, ce lieu. Si jamais il prend possession du cristal, tes chances de réussir ta quête... diminueront grandement. Ce sont les voies, je dois avancer. Voilà. Et là, c'est parti pour les labyrinthes. Glace de lait. Et oui, on s'intéresse au monstre. Ou une méduse. Que lui fait le vent sur elle? Ah bah, ça lui fait mal. Très mal même. Alors il avait écrit weak point, donc tout c'est son point faible. Du coup, voilà. Ah, il y a un truc qui m'intéresse là. Il y a des trucs qui m'intéressent. Hop là, encore un monstre. Encore une méduse. Ah, pas par là. Là, il y a un cristal rouge, on va tout de suite savoir ce que ça donne. Ok, il est devenu bleu. Je pense que j'ai dû activer quelque chose. Il me semble qu'il y en a plusieurs cristaux rouges qu'il faut tous activer pour libérer un passage. Tu
puis te voir. Hein. Et on va aller s'occuper du petit monstre qu'on vient de voir. Bonjour, seriez-vous intéressé par un combat? Au revoir. Au revoir. Il est déjà bleu. Ah. Ça mène à la sortie, ça. Oui. Bonjour, cher monsieur. Prisonnier. T'essaies de t'échapper, pas vrai? Eh bien, la clé... Évidemment. La clé est en bas dans le labyrinthe, c'est noble méchant, je ne vais pas traduire ce mot, même s'il est, s'il est transparent. Ces nobles mécréants veulent nous utiliser pour combattre les monstres. Quoi qu'il en soit, l'eau dans ce seau est magique, tu peux laver ton visage avec et tu seras soigné. Alléluia. Donc je suis guéri, parfait. Eh bien, on sauvegarde. Et on y retourne. Allez, go! Du coup... Eh ben lui, on va se refarcir, lui. Bonjour, seriez-vous intéressé par un combat? Hop! Et hop là. Parle plus. Donc faut repasser par là du coup. Ça sert à rien d'aller par là. Hop, recombat. Ça là pour l'instant le niveau est vraiment pas dur. En fait c'est juste moi qui n'ai pas du tout le bon équipement pour affronter les orques. Et je viens d'atteindre le niveau 5. Y a rien d'autre en bas. Qu'on soit sûr quand même. Oh oui c'est bon. On va passer à la suite. On peut aller à gauche. Alors. Est-ce que j'avais été par là? Oui. Par là. Ah, ça rame. Hop là. Ok, donc là, je suis revenu au début. Pas là, y'a rien. Dans ce coin là alors j'ai pas fait tout, je peux aller par là. Par là ensuite. Ah il n'y avait rien. Donc si je vais en haut ça m'emmène à un cul-de-sac et en bas à un cul-de-sac. Donc je peux aller à la suite. Si je vais par là, cul-de-sac aussi. Voilà, donc je suis revenu au point de départ. On va monter, cul-de-sac, descendre, cul-de-sac, monter, cul-de-sac, et là on monte. Et ben c'est parti pour le coffre. Du saumon. Je sais pas depuis combien de temps il a ce saumon, mais à mon avis, depuis être très bon. Hein. Allez, on va aller à gauche. Ah bah y'avait rien. Mauvaise pioche. Et bah du coup on va aller à droite. Puis en bas.
Ah, il y a un autre cristal rouge. On va aller d'abord en bas. Voir s'il n'y a pas autre chose. Ah. Bonjour. Ah, cool. On a trouvé un nouveau sort. Getting Water. J'ai appris l'eau. Et il y a rien d'autre. On peut remonter. Tac, et je pense que si je vais à gauche, là, je m'occupe du cristal rouge. Parfait. Ça fait deux. De l'eau sur de créature élémentaire d'eau, ça sera pas très efficace, donc on va rester sur le vent. Qu'est-ce qu'on a par là? Ah, donc 6 cristaux dans le labyrinthe, utilise-les pour ouvrir la voie. D'accord, donc en gros, j'en ai 2, il m'en manque 4. On sauvegarde. Ça, la Magic Water, c'est pour du coup... c'est pour récupérer tes points de magie. Hop. On a retrouvé du saumon. En voilà un troisième. Ah, il y a une corde. Un miroir. Utiliser les attaques physiques, c'était plus efficace. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir par là? Bon, celui-là a déjà été activé. Enfin, il n'est pas rouge, quoi. Allez, viens par là, toi. Je vais te régler ton compte. Hop là. Merci et au revoir. En voilà un autre. Par là. Le quatrième, il en reste deux. Ça suffit, Oli. Qu'est-ce que tu veux? C'est que t'es agaçante. Hop. Voir que j'utilise l'eau magique dans pas longtemps parce que j'ai plus beaucoup de... Donc ça peut avoir beaucoup de points de magie. Alors, un coffre. Même deux coffres. Du saumon. Et... un bouclier de cristal. Voyons voir ce qu'il peut m'apporter.
Alors, il augmente ma défense de 2, ma défense magique de 2. Ah ouais, par contre, il fait passer ma chance de 15. Non. Je perds beaucoup trop de chance. Vous doutez bien que vu qu'il y avait écrit sur ce bouclier qu'il était aussi compatible pour les prêtresses, vous doutez bien que du coup, à un moment dans l'aventure, il y aura une prêtresse. Donc je pense qu'on va le garder pour elle. Il sera là. Allez, allons vers le haut. Voir ce qu'on y trouve. Alors par là ça sert à rien. Par là ça sert à rien. Tac tac tac. Par là. Ah zut, j'ai pas la pioche, donc je peux pas encore aller par là. Ça sert à rien d'aller par là non plus. J'ai vu qu'il y avait un escalier et une corde. Ah zut, j'ai fait tout ça pour rien. Sérieux. Je crois qu'il m'en reste deux encore, il me reste deux cristaux rouges. Ouais, c'est pas là, ça sert à rien. Faut retourner sur je sais pas. Ah, on voilà un là. Bah, les deux sont là. Donc il ne reste plus qu'un. Il y a sûrement un truc à faire. Cause me dit qu'on va devoir revenir dans cet endroit à un moment donné. Je te vois au lit. Encore du saumon. Ça va être le dernier monstre avant le boss. Et juste avant le boss, on ira. Alors, je vais pas retourner dans la prison pour me soigner, j'ai utilisé les objets que j'ai. Voilà. Donc le chemin à travers le cristal rouge a été ouvert. D'abord soigner, ensuite. Parfait. Voilà. Le chemin.
On va sauvegarder d'abord, bien sûr. Voilà. Et c'est parti. Petite musique d'ambiance sur les boss. Alors, on a une fée de l'eau et des méduses flottantes. Une fée, j'ai entendu dire qu'elle avait l'habitude de changer de côté. Je devrais me concentrer sur rester en vie sur un moment en espérant le meilleur. Alors, c'est pas fait, c'est bon. Ouais, c'est pas ouf. Mais je l'ai rendu confuse. D'abord, c'est au milieu, je crois, parce qu'il y en a beaucoup. Je sais que je les OS, donc... Super, elle s'est attaquée elle-même. Allez, on va se soigner. On va se soigner deux fois de suite, je pense. Ah, c'est bon, je rattaque, super. Ça fait plus fort l'attaque là. C'est moi ou ma buff? Ah, elle s'est échappée. Ah, d'accord. J'ai juste tué les méduses pour qu'elle s'échappe et puis voilà. Ah, on a trouvé un sort. Crodin, le dieu de l'eau. On a appris vague. De la prison. Ah. On va se soigner avant de... Oh non, faut juste ma vie en fait. Donc on va sauvegarder. Alors si je me trompe pas, il y a un moyen pour rentrer facilement, retrouver facilement le chemin de la prison, c'est de suivre les petits gravats qu'il y a au sol. Ça nous y conduit directement. On va voir si ma théorie est vraie. Hop. Eh ben regardez, j'avais raison. Ma théorie était juste. Allez, on sauvegarde. Ensuite, on se soigne. T'as trouvé la clé, pas vrai? Je dois... Ok. Voilà. Et toi, arrête-toi ici. Ok,
ça cherche son bruit dès le début, quoi. Qu'est-ce qu'ils ont par rapport à l'eau? Ah, j'ai été tendu. Physique, comment? Ah bah, non, c'est pas un point non plus. Hop, finito. On va être soigné parce qu'ils ont quand même fait pas mal de dégâts. Deux contre un en même temps. Bande de lâches. Ça change, c'est pas comme ça. Ouais. Alors, Blette n'est pas dans sa maison à ce moment, en ce moment. Même si elle l'était, elle ne te permettrait pas de rentrer. D'accord, c'est gentil, merci. Ah bah tiens, Blette. Qu'est-ce que tu me veux, crétin? J'ai pas le temps pour les moins que rien, on va dire, hein. Comme toi, va-t'en. Gentil ça. C'est fermé. Bon. Bonjour monsieur Ibrome. Salut, je suis Ibrome, le forgeron de Genise. Malheureusement, par ordre de Belette, je ne suis pas autorisé à fabriquer des armes. Je ne suis autorisé à fabriquer des armes uniquement pour les gardes de ce village. Pour être honnête, ma maison me manque. Ma maison dans les montagnes de Firmatis me manque cependant. Je suis coincé ici avec tous ces monstres. Rodant dans les parages. Si je pouvais seulement avoir un peu de travail additionnel, je pourrais peut-être m'acheter de quoi m'offrir. Je pourrais peut-être avoir de quoi m'offrir un convoi pour sortir d'ici. Le convoi ne peut pas partir seul. Ok, et bah du coup on va continuer vers le sud. Alors, le sol est craqué par ici. Je t'en prie, marche sur l'un d'eux. Pardon. Excusez-moi. On va éviter. J'aimerais éviter. Haha, la fameuse corde dont je vous parlais tout à l'heure. On va mener droit à l'escalier. Qui nous mène droit à... Ah, ok. On est au niveau de la... De la grotte du début en fait.
Par contre, le coffre, je peux pas le récupérer parce que... Ok. Alors ça, c'est encore un sort, mais je peux pas l'utiliser. Donc super, je peux retourner dans mes pas d'avant, mais... C'est pas l'objectif pour l'instant. Donc on va reprendre la corde. Donc vous voyez où est-ce que je veux tomber si jamais je me tombe, je marche sur un sol craquelé. Donc on va dire qu'on va éviter. Il me semble qu'ils sont pas tous piégés. Parce que sinon comment je ferais pour sortir ici? Pour sortir, il n'y a pas de sortie, donc pas le choix. Ouais. Ouh, je suis un peu peur quand même. Attention, le sol est craqué. Okay. Bonjour, donc un étudiant. Donc ces craquelures sur le sol m'inquiètent. Qu'est-ce qui se passe dans ce monde? Un jour, j'ai entendu des cris derrière cette barrière. J'ai pas le nom, palissade, voilà. Quand j'ai tourné la tête, quand je me suis retourné pour regarder, tout ce que j'ai vu c'était un trou dans le sol. Inquiétant. Tout à l'heure il m'a dit qu'il y avait un pilier qu'on pouvait regarder. Ah oui d'accord. Il y a un nénuphar, faut remarquer dessus après. Tac. Le monument du Christ, de l'eau de Christ. Saldo repose derrière ce point. Malheureusement, cette terre est inaccessible. J'ai besoin d'une permission de Bellette, la mage, pour entrer. T'as l'air sale. Qu'est-ce que t'as foutu? Tu dois juste être un éleveur de porc. Charmant. Très charmant. Tant les gens de ce village. Oh, bah il a pas l'air frais, monsieur. Pauvre homme. Je suis le plus pauvre des hommes à Genise. La seule raison pour laquelle je suis autorisé ici, c'est parce que j'ai sauvé la vie d'un homme. Je n'ai plus que 20 d'or. Qu'est-ce que je ferai après avoir tué? Je viens de déposer cette... tu viens de prendre ce que j'avais... Pourquoi faire tout cela? Bah non, allez, je te donne 40, c'est bon. Merci beaucoup, c'est rare d'être... Cependant, j'ai pas besoin de ton argent. Ah, merci. En effet, c'était juste un test pour voir si tu étais une bonne personne. Ah, c'est gentil. Je suis pas vraiment... je suis pas vraiment sur la paille. Je préfère simplement l'ascéticisme. Je suppose que c'est l'épicurisme, quelque chose comme ça, le fait de pas forcément se reposer trop sur l'argent et vivre simplement. Cependant, pour ta gentillesse, je t'offre une récompense. En plus des 20 or que tu as obtenu, prends-en un peu plus. Pas d'inquiétude, j'ai une fortune. Oh bah, oui, effectivement. C'est bien d'avoir un petit peu d'argent, mais ne la laisse pas monter jusqu'à ta tête. En gros, prends pas la grosse tête, ou commence pas à faire n'importe quoi avec l'argent. Qu'est-ce qu'on a à gauche? Ah, je peux pas aller à gauche. Allô par ici. Bonjour. Je peux passer par là. D'accord. Reste sous la pluie. Bagarre, je crois que ça veut dire. Encore une fois comme nous le créons.
le bonjour. Rien. Non, y'a rien. À voir. On a les armes les plus élégantes dans tout la Mironia. Oh, très belle décoration. Ah, cool. 30 et 5, et là c'est 25 et 5. Ah, celle-là elle est plus efficace pour les coups critiques. Celle est plus forte. Allez, on va prendre la rapière. On va l'équiper tout de suite. Hop là. Repasse nous voir, très bien, je le ferai. Nous avons un livre. Non, il fait rien. Et ben on passe à la suite. Hop là. Donc on va aller vers l'est du village du coup. Ah, il me semble qu'il y a un truc à faire avec l'auberge. Bienvenue à Jenny's voyageur. J'espère que tu adoreras passer du temps avec nous. On est des personnes riches et bien élevées. C'est pas le premier mot qui me viendrait à l'esprit. Attendez, qu'est-ce que je vais relire ce qu'il vient de me dire. Alors 35 d'or pour la nuit, est-ce que vous voudrez rester? Donc non. C'est parce que tu es sur la paille, pas vrai? Alors, qu'est-ce que c'est condescendant. Alors, noble homme, et qui êtes-vous donc actuellement? En fait, ne me parlez pas. Je n'ai même pas envie de savoir. D'accord. Oh, Darek. Tu te rappelles quand on s'entraînait ensemble, il y a un an à peu près? Tu étais toujours capable de me battre, juste à peine... j'essayais à peine, and I had my share of fighting. Ok. S'il y avait quelqu'un capable de sauver ce monde des monstres, c'est toi, Arès. Je peux seulement t'aider en te partageant des informations chaque fois qu'on se rencontrera. L'un des monstres, des rois monstres Triden, va attaquer ce village tôt ou tard. Et même si je peux pas rester avec ces gens pompeux de Genise, je ne voudrais pas tous les voir mourir d'une mort horrible. T'as besoin d'une protection contre ces sorts d'eau Arès, ne l'oublie pas. Pardon. Alors. Et le peuple de Genis était bien évidemment des habitants de Imperan. Après la chute de la capitale, beaucoup de choses ont changé, excepté la hiérarchie entre les peuples. Les mages étaient toujours la haute autorité du peuple, comme ils l'étaient au début, avant leur exil. Les mages donnaient les ordres aux gardes, une bande d'individus forts maintenant la loi. Les employés et la classe des travailleurs suivaient ensuite respectueusement. Et enfin, les nobles pratiques de l'esclavage a été quasiment inexistante après que Impera a été perdu. Tant mieux. Oh, un coffre.
bien. Fermer, fermer et fermer. Non merci. Le pendentif de l'Abironia, forgé par les quatre dieux élémentaires, la spirale, le pendentif en forme de spirale est la cause du maintien des forces du labyrinthe recouvrant notre monde. Ce pouvoir est appelé la reproduction fractale ou le reflet fractal. La réflexion plutôt. Tout ce que nous connaissons dans cet univers fonctionne selon ces principes. Les montagnes ranges, les vagues, les océans et même les étoiles distantes, les systèmes d'étoiles distantes, éloignés plutôt du coup, tout forme naturellement des spirales et des fractales. Le cerveau humain et les labyrinthes se ressemblent curieusement. Certains disent que les labyrinthes changent quand les pensées des quatre dieux se disjoint du pendentif. D'accord. Downfall. Notre première maison, la ville d'Impera, était la capitale de ce monde. La seule chose plus sombre que nos souvenirs de ces ruines ce noir repoussant mortuaire lieu existe encore dans le centre de Krongard. Nous avons vu comment le sol a été déchiré. Bottomless, ces trous sans fond, en fait, par des trous sans fond dans les labyrinthes. Les nuages au-dessus formèrent des labyrinthes similaires. Depuis le haut comme le bas, les monstres se ruèrent dans le labyrinthe et nous pouvions. Ils sont rués dans la ville, je suppose. Et tout ce que nous pouvons faire, c'était courir et ne jamais regarder derrière nous notre chère cité perdue. Allez. Continuons. Il n'y avait rien à faire dans cette auberge pour l'instant, en tout cas. Bonjour, jeune fille. Mais viens ici, toi. J'adore la pluie. Bah, cool. Cool, cool, cool. Qu'as-tu pour moi? Tu sais, j'ai juste un terrifiant. J'ai juste une terrifiante somme d'argent. 300 000 or pour être exact. C'est pour ça que j'ai besoin de collecter. Alors, dis-moi. Qu'est-ce que tu as de bien? Ça va coûter de 1. Ça va baisser de 3. Ça va coûter de 7. C'est pas mal ça. Ça va coûter de 1. On va prendre ça.
Hop, continuons. Tiens. Les gaz anciennes. Oh, j'ai la flemme de lire. Je vous avoue, j'ai un peu la flemme de lire là. Les rois des monstres. Ah, attendez, il y a plein de... C'est pas ça, avant. Donc, les rois des monstres, on a Anituel, Lysia, Triden, Abramelin, Pyros... Et leur faiblesse est connue. Alors, Anituel, c'est pas connu. Lysia, son point faible, c'est le feu. Triden, son point faible, c'est la foudre et l'attaque physique. Abramelin, son point faible, c'est la terre. Et Pyros, son point faible, comme son nom l'indique, je suppose, c'est l'eau. Vu que son Pyros, ça veut dire feu en grec. Frapper son trident flottant. L'œil de son trident flottant. Non, pour affaiblir son pouvoir. Ok. Tout ce qu'il y a là-dedans. Ok. Bloquer ça au milieu et on sait pas à quoi ça sert. Je suppose que c'est le bureau de Bennett. Qu'est-ce qu'on a ici? Une jolie statue qui ne sert à rien. Bonjour monsieur. Genis n'a pas vraiment de véritable armée. On a juste un petit peu d'hommes forts. Maintenant la loi. Bennett s'occupe du gouvernement elle-même. Je souhaiterais pouvoir marcher sur les nénuphars. On va pouvoir aller dans la maison. Alors. Du cuir de velours, enfin, du cuir doux. Si oui, je can sell you the sliced boots. Je peux te vendre ces chaussures légères. Donc tu te... Ah ok. Bah oui du coup. Un peu j'en ai du coup. C'est nickel. Normalement, avec ça, je peux marcher sur les nénuphars. Yes. Ça va être pratique. Pour aller dans le temple tout en haut. Bennett veut absolument le sceptre légendaire plus que tout au monde. Mais il est à la possession de Triden dans le sanctuaire de l'eau. Encore un jour plus vieux. Quel manque de goût. Eh bien, je ferais mieux de passer ma journée dans ma luxueuse maison. Je peux pas aller en bas. Oui. Est-ce que t'es un esclave? T'es un esclave, pas vrai? Je vais dire oui. Je le savais, quel jour de chance. Tiens, voici. Travail bâclé. Et bon, qu'est-ce que je pouvais espérer? Tiens, voilà une pièce pour tes efforts. Ok. Après, je l'ai déjà, donc je m'en fiche. Ok, donc je peux savoir quand je remonte pour récupérer ce que j'ai pu oublier ici.
j'ai appris Will Strike. Est-ce que je me retourne directement dans, dans la grotte? Il y avait des trucs pas assez loin. Non. On va sortir de la ville. Et aller au sanctuaire de l'eau. Ah, attendez, il y avait un truc aussi à gauche. Passer avec eux. Ça sera ici dans cette maison là, donc je pense qu'elle est fermée. Elle est fermée. Notre, ceci est notre trésor national, le cristal de l'eau. Ils disent que notre chef Bellette l'a reçu du dieu de l'eau lui-même. Oui, c'est ça. Pourquoi est-ce que je m'empêche de faire le tour alors que je pouvais directement passer par là où il y avait la corde? C'est pas très grave. Ça fait pas un gros détour. Allez! Voilà, rentre chez toi. Et je suis niveau 7. Hop là. Parfait. Quatre boutons avec le symbole élémentaire de l'eau. Presse-les pour ensuite accéder à la chambre principale et affronter Triden. Souviens-toi, Ares, c'est l'un des quatre dieux monstres. Prépare-toi bien. Ah, ça a changé le... C'était pas du tout comme ça avant le tour d'eau. Là, pour le coup, je suis vraiment dans... Dans l'inconnu. Voilà. Et voilà. Là, le vent, c'est pas une créature d'eau, du coup. Et si je fais de l'eau, je vais enlever discrètement. C'est le truc de l'activer. Et je dois pas avoir ce qu'il faut pour. On va voir son point faible. C'est pas grave, on va le battre à la régulière. Hein. Fait mal quand même. Hein. C'est très mal. Tiens. Ah,
encore un sort mais que je ne peux pas utiliser. Et du 2. Il en reste 2. J'ai peur de d'échouer. Bon bah il y a un coffre par là. Je vais me soigner avant parce que sinon. Puis en plus, il y a un poteau. Il manque plus qu'un. Au tout début. C'était le seigneur de l'eau. Anituel. C'est bien ça, c'est bien Anituel. Anituel. Allez. Mystir. Ça va être une plumette ou c'est une aiguille qui va se. Ah là, allez. Trop fort. Elle se. Elle me rend fort si je dissipe un peu du vent. D'ailleurs, au revoir. Il a quand même envie un peu de ma vie, hein. Saleté. Ah, voilà le dernier. Je vais regarder combien de points d'expérience il me manque. Prochain niveau, il me manque 334 points d'expérience. Ça peut être le coup de faire encore un peu de combat avant de rentrer le boss. Si je voulais. Je sais plus ce qui était fort contre lui. Soignez-moi. Que le Wheelstrike était meilleur.
Si j'en chope encore deux, je pense que je passe au niveau suivant. Là, j'ai eu 110. Faudrait que les autres me donnent plus de 110. Faudrait qu'ils me donnent 100 boosts chacun, si j'en prends deux. Allez. Par là, il n'y a rien. Ah, c'est le début, donc. J'ai fait tous les monstres. Ah mince. Bah, vous savez ce qu'on va faire? On va se faire quelques orques. Puis après, on reviendra. Je suis niveau combien? Je suis niveau 7, ça serait bien que je sois niveau 8. C'est toujours des stats en plus, donc je n'en suis pas très loin. Donc je vais prendre cette peine. Mais on va se regarder avant quand même. Allez les petits trolls. Non, c'est pas les trolls, c'est les orques. Faut que j'arrête avec ça. Parfait. Il me faudra 3 du coup. Tu vas pas me donner ce que je veux. T'es beaucoup trop faible. 34 expérience. Ah, peut-être que du coup il manquera juste un orc, puis c'est bon. Ouf. On va taper du boss. En pensant à sauvegarder avant quand même. Je vais faire un seul try. Si je arrive à le tuer au premier try, bah je m'arrêterai là. Mais si j'ai pas réussi, et bah j'arrêterai quand même. Et on passera à la suite. Enfin, on passera à la suite. Bon, j'arrêterai le stream en fait. J'arrêterai le stream. Et après, on se retrouvera dans la journée normalement. Si tout va bien. Par là. Ah, si je pouvais éviter les combats avec les montres, par contre. Ça m'éviterait d'utiliser des consommables. Celui-là, on a vu que je me dis que je vais pas pouvoir l'éviter. Non. Tant pis. Ah, oh, évidemment, c'est un truc ignoble. Que j'arrive pas à taper. J'ai vu c'est quoi le côté de plus fort. Je crois que c'était celui-là, ouais, 206. Mais par contre, parce que ça bouffe comme. Comme point de magie, c'est dingue. Allez, là, au revoir, monsieur. J'espère qu'il me reste encore... Ha!
Je n'ai plus de... Contente. Ah. Là, ça ressemble un peu plus à la salle que je connais. Voilà. C'est la synchro. Oh. What? Alors, j'adore les RPG, hein, mais je déteste les jeux de rythme. Ah, et celui-là, il est infernal. Je tape tous les monstres. C'est un gros souci, j'ai plus du tout de... J'ai même plus de consommables, donc... Allez. Tant pis. Ça sera pour la prochaine fois, je pense qu'il faut que je me prépare mieux. Faut que je parte avec un peu plus de consommables, que je parte avec un peu plus de d'autres trucs pour mieux réussir à vaincre ces monstres, parce que rien que contre les monstres j'ai du mal. Donc le boss, quelque chose me dit que ça va pas être simple non plus. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui, tout simplement. On continuera dans la semaine prochaine. Je ne sais pas encore quel jour, mais on va continuer, ça c'est sûr. Mais en attendant, on se retrouve cet après-midi à 14h avec Draken, parce qu'on va jouer à Keep Talking and Nobody Explodes, tous les deux, donc on va s'amuser à désamorcer des bombes. Donc il y aura... Je vous explique pas le principe tout de suite, on l'expliquera tout à l'heure. Et voilà, donc je vous dis à tout à l'heure, et à la semaine prochaine aussi. N'hésitez pas à suivre IvaSound Studio sur les réseaux sociaux, comme d'habitude, Twitter, Discord... Facebook et Instagram. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Voilà. Et une bonne année, tiens aussi. Je vous souhaite une très bonne année. Donc, je vous dis à bientôt, à cet après-midi, et cordialement. Bisous!